Alors, mettre vite fait sur la scène de talk. J'espère que ça va bien toujours. On va baisser la musique par contre. Musique de FF6 qui sont très bien toujours. Il faut qu'on s'entende parler. Du coup, on va reprendre le dev du petit jeu. De bien sûr Twitch Star Wars sur Unity. Bon, on va peut-être même partager l'écran direct comme ça. Comme ça, ce sera bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? S'il y a des gens qui arrivent, il y a Ink qui vient dire bonjour, du coup, bien sûr. Donc. Non, frotte pas ta queue contre le micro, s'il te plaît. On avait commencé à faire les... pourquoi j'ai pris des dégâts? J'ai pas eu. Ah, ça devait être le laser. Le laser qui a juste spawn et qui a eu le temps de faire les dégâts. On avait commencé à faire les patterns, du coup, de Médusa. Et aussi, on avait fait le système de combo en mêlée. Donc en gros, alors je vais baisser encore un peu la musique parce que c'est relou. Voilà. Bon, vous me direz si c'est trop ou pas assez fort. Donc genre, on a des combos pour Médusa, genre. Bon là. En gros, elle peut enchaîner deux attaques en mêlée. Et elle a aussi une attaque de balayage. Donc ces attaques qu'il faudra qu'on améliore niveau FX, qu'on refasse des sons, tout ça. Et du coup, comme on a fait le système de mêlée pour Médusa, on s'est dit autant améliorer celui pour le joueur. Donc on a fait un système de combo. Donc là, je sais pas si ça se voit, mais on a trois attaques qui s'enchaînent, qui sont différentes. Genre ça fait un petit slash après un gros balayage et après une grosse attaque à la verticale. Et du coup, ça va servir à récompenser le fait de risquer un peu de comboter, puisque forcément, la première attaque du combo fait moins de dégâts, et plus ça avance, plus ça fait de dégâts, quoi. Et du coup, la dernière chose qu'on avait fait, c'était l'intégration de ce laser pour Médusa. Laser qui est vachement stylé, mais pour l'instant, qui fait pas grand-chose. Genre là, juste, il fait des dégâts quand il touche, et en plus, il disparaît, donc c'est pas ouf. Donc, déjà, première chose à faire, c'est on va modifier les projectiles. Paf. Non. Projectile. Non. Je veux le script projectile. Voilà. Donc on arrive sur la classe Projectile. Alors je vais peut-être bouger un peu le micro. Et on veut rajouter un paramètre. On va le mettre là. Genre... ou peut-être non, à la fin... genre avant les paramètres... qui sont pas obligatoires, paramètres facultatifs, pardon. On va mettre un bool, on va mettre should deactivate. Untouch. Donc là, forcément, on a des erreurs. Puisque. Après, ça peut être un. Non, ça va pas être un paramètre facultatif. Du coup, là, c'est true. Ah bah non. Pas true. Ça va être pareil, là. On a dit juste avant, du coup... Bool should deactivate untouch.
Hop. C'est d'accord. Ensuite. Qu'est-ce que leur... Ah merde, j'avais pas vu que c'était un paramètre optionnel. Bah du coup là, hein. Ok. Là. Bah, du coup, ça va être un current pattern point A. Voilà, sauf qu'il le connaît pas, mais c'est normal. Et là, juste trou. Ok. Dans pattern. On va rajouter... un public bool. Voilà. Et du coup... on inverse. Ça voilà. S'il y a des questions, quoi que ce soit, que je remonte le jeu, tout ça, n'hésitez pas. Bien sûr, si vous arrivez et que vous savez pas que vous connaissez pas le jeu, vous pouvez tester l'état de la semaine dernière de quand on avait terminé le premier boss sur Itch.io en cliquant sur le lien juste en dessous du stream. Bon. Ok. Et du coup... donc dans le projectile. Donc il y a le shoot deactivate and touch. Pareil, private. Boule. Paf. Oula. Hop. Et on est bon. Bah là c'est pareil, enfin ça va être un if shoot deactivate and touch à chaque fois. Du coup ça oui. Ça normalement. Ouais, ça c'est bon. Ok. Bah, va falloir juste qu'on aille dans les actions et qu'on mette bien les trucs à jour. Genre. On peut faire ça. Oui. Bon, même si pour l'AOE, on s'en fout. Et là c'est tout sauf le laser. Ouais mais c'est des attaques en mêlée. Faut juste qu'on regarde lequel est lequel. Il me semble que le laser c'est la 4. Tout ça on a juste à voir avec le... Ah bah non mais avec le wave number c'est bon. Donc c'est bon. Je suis désolé, je vais refaire une petite pause parce qu'il faut que je passe aux toilettes. Et après je suis là. Du coup, je suis de retour dans 5 minutes.
À tout de suite.
Heureux. On va repartir direct. Désolé pour cette petite interruption. On va tester. Voir si ça fonctionne déjà, le laser. Ouais. Bon, le FX est un peu trop... un peu trop vénère. Hein. Le FX quand on touche. Je vais augmenter le temps de... La durée. Ah! J'avais misclick. Enfin, j'avais pas misclick, mais la dernière fois, je voulais mettre 5 en duration. Ok. Alors, bon, dans la mesure où c'est un truc qui pétrifie, on veut peut-être pas que ça... Que ça proc 10 fois. Mais il faudra faire un truc pour que les projectiles qui soient pas détruits au toucher puissent reproc. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on veut, parce que de toute façon, sinon, ça va juste... Tout ce qui va se passer, c'est que... on va être pétrifié, et de toute façon, du coup, on pourra pas bouger, donc on va prendre 1 milliard de dégâts, et ça, c'est pas ouf. Il faut que ça soit chiant, mais pas que ce soit une mort directe, quoi. Donc, est-ce que... Faut que je vois s'il y a un truc genre animator.pause sur Unity. Ah, il y a un animator.speed égale 0. Et bah... Ça va être ça. Hein. Alors, on va aller sur le player controller. On avait un truc incapacitate. Ouais, voilà. On va remettre un bool qu'on va appeler petrified. Et bah, si t'es pétrifié, bon, du coup ça on va le mettre en haut, au-dessus d'un. Même les deux là. Et là, if petrified return. Et on va avoir un float base anim speed. Base anim speed. Égal animator.speed. Merde, non. Bon. Animator.speed égal 0. Et là, sinon, animator.speed. Égal. Merde. Non. Voilà. Base anim speed.
Donc là, on est bon. Il faut juste que dans le pattern, on rajoute un autre bool. On met should petrify. Eh, j'ai fait une connerie là-dedans en fait. Should deactivate untouch. Il y a des endroits où on l'appelle, on devrait pas. Ah oui, c'est complètement con. Con ce que j'ai fait. Bon, du coup, là, il y a des erreurs forcément. Ah non, pas là. Non, désolé. Non, en fait, je dis de la merde. Ok, cool. Donc. Dans pattern. On a le shoot petrify. Et du coup, projectile. Should petrify. On va rajouter la dangotit. Pour l'instant, on fait comme ça. Si on a besoin de plus de choses, on changera. Si on a besoin d'effets différents, de choses comme ça, là ce sera introduit peut-être. Mais pour l'instant ça va être fait comme ça. If shoot petrify. Petrified égale true. Et du coup, on va faire une coroutine. Non, pardon. Enumerator. Wait. End. End of petrify, on va mettre... float time. Ça va juste être un new wait for seconds. Merde, non. New wait return. Yield return, pardon. Yield return. New wait for seconds. Time. Et du coup, petrified égale false. Ok. Là, il va falloir un petrify time. Égal false et l'autre aussi, enfin égal égal 0f. Là on n'a plus d'erreur, sauf que
On a shoot petrify et du coup il faudrait un truc en plus. Petrify time. Petrify time, ok. Du coup maintenant ici. Bah c'est encore un truc qui n'est pas optionnel. Donc boule. Je vous la petrify. Et float. Petrify time. This point should petrify égal up et this point petrify time égal petrify time. Ok. Ensuite. Bah du coup pareil. Hein. Le should petrify et float petrify time et du coup current ah bah non mais du coup petrify time non should petrify roll. Et petrify time. Et là on est bon. Hop. Bah du coup false. Et false. Oh merde, et 0. Et... Du coup, current pattern. Bon, shoot petrify. En fait, là, c'est con. On avait fait comme avant, mais limite, on aurait pu juste transmettre. Pourquoi dans. Ah merde. On a juste pu transmettre le current pattern, mais bon, c'est ok. Quoi, petrified time? Et c'est en private? Quoi alors? Ah, parce que j'ai oublié. Public. Float. Petrify time. Et yo Yoda, j'espère que tu vas bien. Enfin, comment tu vas? On est en train de faire la pétrification avec le laser, justement. On va voir si ça marche. Bon, là, on fait tout petrify, petrify time 5 juste pour tester. Et on va voir. Peut-être la duration. On va la mettre à 3. Et voilà, et là je suis pétrifié, je peux plus rien faire. Au secours. Ouais, mais là du coup j'étais pétrifié pendant trop longtemps. Ah bah moi ça va du coup, tant mieux si tout ça. Ah oui mais j'aime vite petrify time 5 secondes, oui. On va mettre une seconde. Juste pour voir, et après on va mettre un petit shader.
Ouais, il y a un problème avec la pétrification. Déjà, on a oublié un truc. C'est tout ça. If not petrified. On est ok. Et on a un problème. Ah, mais parce que ça s'est jamais appelé, je suis un connard. Ça serait pas mieux qu'elle reste à une certaine, si elle restait à une certaine distance tant qu'elle tire le laser. Ça dépend, mais oui, ça peut. On peut changer le comportement, on va voir. C'est juste que là, pour l'instant, on fait en sorte juste que. Le laser. Par contre, j'ai l'impression qu'elle vient au corps à corps, quoi qu'il arrive. Du coup, bah en fait, là pour l'instant, mais on va peut-être changer après. C'est. En fait, elle va venir au corps à corps une fois qu'elle aura plus de cooldown d'attaque à distance. Et pour l'instant, vu qu'elle a qu'une attaque à distance, forcément, elle va venir au corps à corps là. Mais ouais, on va pouvoir mettre ce qu'on veut après. Du coup. Petrify. Voilà. Du coup. Start core routine. With end of petrify. Et du coup, petrify time. Sinon, t'es pas un connard. Ah ouais, non mais alors ça je le dis tout le temps donc c'est pas grave, je m'en rends même pas compte. It's ok. Bon, ça remarche. Par contre, il y a un petit problème. Et du coup, ça bloque l'intent. Parce que forcément, parce qu'il n'y a pas la vérification des get button up, tout ça. Du coup, juste want to. On va mettre tous les boules à false, pardon. Want to go up égale false. Want to go right égale false. Want to go left égale false. En fait, pareil, hein, want to cast. Voilà. Normalement, on n'a plus d'autre intent. Si, il y a one to dash. Voilà. Normalement, là, ça devrait régler le problème. Ouais, là, je peux plus rien faire quand je suis pétrifié. Vas-y, repétrifie. Ah si, y a un problème. Faut que je mette la velocité à 0 en fait. Que
coup, ça va être un If Petrified. Et... Else. Et voilà. Non. Hop. Voilà, et là, normalement, il n'y aura plus aucun problème, bien sûr. Ouais, c'est bon. On va mettre un petit shader et un petit FX. Je vais voir si dans les FX, déjà, il y a un truc de qui ressemble à de la pierre. Genre un choc de pierre ou un truc comme ça. Mais s'il n'y en a pas, on mettra juste le shader. Et ça fera le taf. Bon, ça c'est de la grosse moula. Ouais, mais non, c'est pas ce qu'on veut, ça. Après, on peut peut-être mettre un petit truc de fumée juste au moment où on est pétrifié, comme ça, ça. Déjà, est-ce qu'on a un dossier materials? Oui. Je crée un nouveau material. Je vais l'appeler stone mat. Non, petrify mat plutôt, parce que. Hop, et un base map, je vais voir si on a des... Le truc de stone, ça peut être bien. Ah oui, mais on va avoir un problème. Oh. Que c'est quoi son matériel là? Un autre personnage. Ah bah si j'ai son matériel, c'est parfait. Et du coup, limite, on va mettre... Est-ce que... Je sais pas si ça suffit. Faire un micro shader avec shader graph là-dessus, juste pour voir.
Ouais. Shader. Faire un lit de Shadowraph. Petrify. Pardon, Petrify Shadow. Et. Alors. Ça, je crois que ça a changé un peu du coup Shadowraph là. Pas grave. On va mettre en texture 2D, on va même. Enfin en fait on va l'appeler texture. Est-ce que en base color. Quoi Putain, ça a changé, ça dégoûte. Ah mais vous peut-être. Oui, c'est peut-être ça surtout en fait. Bon, on va tester. On a notre texture. Est-ce qu'on peut mettre la texture directement en exemple? Ah bah sinon je peux mettre ça. À la limite on va mettre direct la texture. Ok. Alors, si je me souviens bien. Si on met un Voronoi. On va tester, on va faire un. Il me semble qu'il fallait si on fait un tile en offset là-dessus. Ça met de la couleur. Je vais regarder. Je vais juste garder les lignes du Voronoi en fait. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de Shadowraph. Ça fait genre un an. Donc déjà en plus il a changé.
Après, sinon... Sinon, on met pas de Voroneuil. Faire une time. Alors là, c'est juste très 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 rapide. On va faire un autre multiply. Vecteur 2, il me semble. Je veux vraiment ça de mémoire. Tout pétrificaté, bien sûr. Ah, je me rappelle plus. Regardez vite. Alors, on avait quelques trucs. Ok, donc il y a bien le multiply là entre les deux, sauf que ça en vire. On va mettre une node de position, forcément en fait. Telling un offset. Avec les UV. Et là, voilà. Voilà, et là ça marche un peu mieux. Et là le multiply on s'en fout. C'est plutôt comme ça. Déjà c'est un début. Désolé, je vois plus le chat, j'espère que... Non, si, c'est bon. Et du coup... Oula, par contre... pas le mouvement le plus fluide du monde, on va voir. On lui a pas donné de nom, si. Il pétrifie le shader. Mieux comme ça. Hein. Se voit absolument pas. Pas sauvegarde.
Ah. Quelle est cette erreur? Object rest. Reset. On est dans la scène de test, de toute façon. Ah non, on est dans game. Oh. Bah non. Hein. Attendez. Voilà. Je crée un plane. This plane. Ah oui, mais merde. Problème de lighting là. Alors, peut-être que au lieu d'utiliser directement ça. Ça plutôt. Et alors? Que j'ai fait. On est d'accord que normalement les properties. De toute façon, au pire, on va refaire une property. Hop, speed. Et là, au lieu de mettre ça, on va mettre speed. Ça veut pas le sauvegarder. C'est peut-être ça le problème. Parce que CTRL S ça marchait pas. Du coup, stone. Merde, c'était pas stone, c'était quoi? Problème de tiling par contre. On va tester sur le joueur, voir ce que ça fait.
On a un problème avec les UV. Peut-être juste la vitesse qui était trop rapide. Que là, limite, ça rend pas mal. Ça, d'accord, très bien. Bon, limite, on va laisser comme ça. C'est juste que. On va lui remettre son shader et du coup dans le player controller, pardon. Est-ce qu'on a le renderer? Putain, il commence à y avoir beaucoup de beaucoup de paramètres ici. Du coup, material, pardon. Player mat et un autre matériau petrify mat. Et du coup, est-ce qu'on a le renderer? Non. En même temps, il n'y en avait pas besoin. Renderer player renderer. Renderer, un player renderer, un material égal petrify mat, et à la fin. Player renderer. Un matériau égale player mat. Et on n'a plus qu'à faire le link. Par contre, non, rien. C'est nul. Ça. On va le mettre là. Et paf paf. Est-ce que j'oublie un truc? Pour l'instant, non. On va juste mettre sur le caractère. Donc player mat paf, petrify mat paf et player renderer. F. On va voir. Ça se voit vraiment pas. Le laser est trop long. Alors du coup on va faire différentes choses. On va aller dans le Medusa laser et on va rendre l'effet d'impact moins vénère. Juste pour tester. On va mettre un cube. Il a un collider, oui.
Voilà, du coup. D'accord, si on vire ça, juste pour voir. L'électricité. Pareil. Chaîne 1, Impact Soft, pour voir à quoi ça correspond. Ok. C'est un peu mieux. Et ça, forcément. C'est marrant, ça. Ok, on va voir si c'est un peu mieux. Ouais, là c'est pas mal. C'est la mort. Alors par contre dans game, je vais mettre le bon matériau de base. Hein. Bon. Ça, ok. Et on va revenir dans la test scene. Et du coup, on a dit... Peut-être que ce serait bien qu'elle bouge pas pendant qu'elle fait le laser, Médusa. Donc... on va voir avec le comportement. Du coup, dans Médusa Behavior. On a la distance attaque.
Limite, on va lui mettre sur le boss un boule aussi, can move, genre. Après, il le rend tout follow, hein, petit, c'est ça. On va utiliser le vent de ton follow. Donc on va créer une nouvelle liste. Une nouvelle liste, une nouvelle leaf. Paf. On va appeler genre... genre block movement. En fait, c'est chiant. Ouais, non, si, c'est bien. C'est is ok. On va dupliquer ça. On va mettre stop moving pour. Ouais, non, juste stop moving. Stop moving. Ça va être un float avec un temps d'arrêt de mouvement. Time to stop. Paf. Ça va être comme ça. On va mettre dans boss, on va mettre une coroutine pareil pour faire revenir revenir le mouvement. Donc on va dire current boss, on start coroutine, on appellera top wing for enfin, during, on va mettre du coup time to stop. Ça d'accord, et du coup dans boss, on va faire un public enumerator stop moving. During avec un float time to stop. Du coup, want to follow égale false, build return new wait for seconds time to stop et du coup want to follow égale true. Et du coup, il y a une erreur dans le stop moving. Ah merde. C'est pas ça le nom? Ah merde. Forcément. J'ai bu en fait.
Ok. Et c'est juste en fait dans le movement. Alors go to transform. Si ça. Ou not stop moving. Enfin, not. Oula. Current boss. On want to follow. Hop, tu vas me dire c'est pas en public. Si c'est en public. Et bah voilà. Donc maintenant il faut juste. Faut juste mettre un temps dans le behavior, genre new top moving, juste pour voir, on va mettre 3.0f, non pas 30. Et là, pareil en fait. 1.0f. Bon, il va y avoir des problèmes, mais déjà juste pour voir si dans le principe ça fonctionne. Un gros bug de lumière. Moi aussi. Hein. Le go to position. Go to transform. Ah mais non mais je suis con, c'est pas un ou. C'est un et. Et du coup, en fait, c'est de la merde. Et là, j'ai fait l'inverse. C'est pour ça que j'avais mis le ou, mais du coup, ça faisait quand même pas de sens. Alors, elle tourne un petit peu trop vite vers le joueur. Ça, c'est un problème de behavior. Le turn towards player. Quand même 0, hein. Ah oui, mais non, je suis un con.
encore moins, en fait. Bah c'est bien. Peut-être un tout petit peu plus, mais... Ok, juste pour voir si elle va bien aller au cac. Oula, non. Par contre, c'est un problème. Dans son behavior, on va dire que l'angle c'est 0. Voilà. Comme ça, le laser il se tournera forcément sur nous et il n'y aura pas de. Ah ouais, mais là. Ouais, c'est bon. Ok. Ah! Oh, c'est marrant quand même. Bon. Alors, je pense que on va faire une micro-pause. Et maintenant que le truc du laser s'est réglé, même s'il va falloir qu'on équilibre tout ça un petit peu au niveau de la pétrification, tout ça, ça c'est bon, on va faire une petite pause, et après on va rajouter des patterns de distance, genre un petit peu le même genre qu'avec le dragon, mais avec avec autre chose, on va voir. Exactement. Ouais, il est vénère le stupéfix, hein. Non, mais t'as raison. Mais, c'est un stupéfix de mange morse, hein. Mais bon, du coup... je vais mettre la pause. Je vais mettre la musique un peu plus fort. Et on se retrouve dans 5 minutes pour faire des nouveaux patterns de boulettes L, et ça va être beau. Du coup, paf. Je vous mets la musique un peu plus forte aussi, bien sûr. Et merci, à tout de suite.
Désolé, j'étais mute. Je disais, c'est reparti du coup. On va faire des petits patterns pour Médusa. Du coup, globalement, il va falloir améliorer les patterns d'attaque en mêlée. Et rajouter des patterns d'attaque à distance. On va d'abord rajouter les patterns d'attaque à distance. Et en vrai, par contre, il manquait un truc pour la pétrification, mais au pire, on fera ça après. C'est peut-être j'aurais dû mettre un FX en plus pour que ce soit plus clair au niveau feedback. Mais de toute façon, on fera des feedbacks. Hein. Faudra qu'on fasse. Des nouveaux bruits. De la méduse, on va faire un peu comme le dragon mais en plus aigu, ça va être très bien. Ah non, ça marche pas, putain, j'arrive pas à partir dans l'aigu. Pardon. Au pire, justement, on demandera à des collaboratrices, bien sûr. Non. Alors. Donc, je me suis fait mal à la voix. Ça veut rien dire. Je me suis fait mal à la gorge, pardon. Au pire, Audacity plus changer la vitesse. Oui, ça marche aussi. C'est vrai. C'est pas une mauvaise idée. On testera de toute façon. Donc, on va aller dans Action. Donc on va nous faire un nouveau projectile. C'est con, je devrais mettre des noms plus explicites maintenant. Ce qui est un peu chiant, c'est que il y a un truc que j'aimerais faire mais que je peux pas là. Avec les projectiles. Ça serait de faire un... Un genre de rotation des vecteurs de direction. Mais genre... au pire, on va le rajouter... dans la fonction de lancer des projectiles. Ça va être un nouveau boule. Hein. Enfin non, pas un nouveau boule, un nouveau... un nouveau paramètre. Je vais mettre un float. Je vais l'appeler vector direction. Plutôt vector rotation angle. Vous allez comprendre. Point vector rotation angle égale vector rotation angle. Voilà. Et du coup, ah mais non, mais c'est avant en fait. C'est pas là. Le paramètre. Ça dégage. C'est ici. C'est un échec. C'est bon, ils ok.
On est toujours bien dans la musique de FF6, oui. FF6, pardon. Paf paf. Oui. Oui, ça va être dans le pattern. On va mettre current pattern. Point vector. Rotation angle. Ça va être là-dedans. Puis leak float. Là on est bon. Et du coup dans cette fonction juste que je réfléchisse vite fait. Ouais, limite après ça. Du coup, direction J égale ça. Pas exactement ça, mais... J'espère que si c'est 0 de base, ça fera pas de la merde. On va tester, hein, de toute façon. Alors. Mettre 2. Speed, on va mettre 2 juste pour voir si tout n'est pas cassé. Ah oui, mais non, mais je suis con. Oula! C'est quoi ce gros freeze là? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, en attaque à distance, on va rajouter ça. Et dans son behavior. Je vous promets, ça va bientôt être clair. Bon, du coup, il y a bien eu un projectile d'à peu près lancé. Ah, par contre, il y a un problème. C'est que le truc a été mis en enfant. Sauf qu'il faut pas que ça le fasse sur tous.
Et ben on va mettre un nouveau boule. Boule. Should follow parent. Du coup, if follow parent. F. Forcément. Pattern point should follow parent. Ok. Et on va le mettre juste ici. Ouais, non, là c'est bon. Il va falloir un cooldown global aussi. Ah salut une Roy Bird. Comment tu vas? Bienvenue, enchanté. J'espère que j'ai pas vu ton message trop tard. Tu viens parce que t'es intéressé par le développement de jeu. Si oui, bah c'est cool, on peut se donner des conseils, tout ça. Si faire des suggestions sur la création du jeu, et puis si t'as des questions, des interrogations, des choses comme ça, voilà. Et si t'as envie de tester la version de la semaine dernière du jeu sur lequel on est en train de travailler, tu peux aller sur itch.io, tu peux télécharger le jeu et tester. Tu peux essayer de battre le meilleur temps. Qui est genre de 39 secondes, je crois, un truc comme ça. Mais du coup, il a été pas mal amélioré depuis. Là, on va terminer de dev la méduse. Et après... on verra... Enfin, on mettra un build avec les deux premiers boss, quoi. Du coup, bref. J'espère que tu vas bien, en tout cas. On a dit, on a le shoot follow parent, on a testé ça, ok. Ensuite, donc dans l'attaque 5, non, ça ne pétrifie pas. Petrify time, on s'en fout. Donc, si on teste, si on fait direction NB par exemple, on en fait 8. Base constant 0. Du coup, base angle c'est 360 sur 8. 45. Oui. Et si on fait un rotation angle de genre 22,5. Si je mets wave number 5. Speed 4, motion 5, juste pour voir ce qui va se passer. Bien. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est clair. Regardez. Par contre, on va mettre moins de délai. Même 0,3. Genre ça permet de faire des projectiles
Avec un décalage en fait. Je vais mettre même 12. 360 sur 12. 15. En nombre de vagues, on va mettre 10. Juste pour voir. Bon, du coup, avec la pétrification, ça c'est vénère, mais. Rentre là! Ok. On va augmenter le délai. En tout cas, bien sûr, si ça vous plaît et que vous voulez suivre la suite du développement, tout ça, n'hésitez pas à suivre. À suivre le stream, bien sûr. Bon, ça fait beaucoup de dégâts. On va mettre 2. Et aussi, on va changer, on va mettre des nouveaux projectiles parce que forcément, les boules de feu, c'était au dragon, mais. Ouais, non. Je réfléchissais à un truc. Du coup, on va faire deux choses. Déjà, on va augmenter le temps du stop moving. On va mettre à 5. Et ensuite, faut qu'on mette un cooldown global sur le sur les attaques de la Médusa. Donc dans Random Attacking List, je pense, on va avoir ça. Et bon, on a déjà un cooldown global en fait sur le boss. En fait, ça va être ça aussi. Sauf que là, ça va être directement. Voilà, if. Ça. Current boss point cooldown on va mettre public et donc ça c'est ok. Du coup on n'oublie pas point last attack time égale aussi bat time point time. Ouais non limite. Désolé, je regarde un truc. Bah, du coup, on va être bon. On va voir. Ah, par contre, j'avais des erreurs. Non, ça devait être. Ça devait être autre chose.
Alors, dans son cooldown, par exemple, si on met 3, normalement, elle va faire le laser, puis 3 secondes après, elle va faire... Enfin, elle va pas forcément faire le laser, mais elle va faire une des attaques. Petit problème. Montre à zéro pour être sûr. Ça va être pareil que là. Elle va faire son laser en même temps. Il y a un petit problème. Ah, peut-être un problème là. C'est ça, faut dégager ça quoi. Ok. Est-ce que c'est des restes de l'ancien système de comportement? Qui n'était pas un système de comportement. Voilà, c'est bien ça. Bon, du coup, il y a un problème avec le stop moving. Du coup, on va faire une fonction publique void call stop moving during ça va être un want to follow égale false start coroutine
to stop. Et en fait, non. While remaining time to stop, ça va être une variable qu'on va faire à 0 moins égal 1. On va faire 0,5 par 0,5. F. Et du coup, zéro cinq F. Ça d'accord. Et on va faire un float. Du coup, remaining time to stop. Call stop moving during current boss. Ah bah non, juste, je suis en con. Time to stop. Et donc, remaining time to stop plus égal time to stop. Et on va faire un coroutine. Ça va être coroutine. He's waiting. Plutôt is, ouais, is waiting for moving just waiting for moving et du coup if waiting for moving égale nul. On a ça et égal start coroutine machin et là waiting for moving égal false égal nul pardon. Et là, normalement, on va plus avoir de problème. Qu'on avait genre une superposition des arrêts. Et du coup, forcément. Ah, petit problème. Ouais, mais là, du coup, on lui a dit de s'arrêter pendant trop longtemps. Dans le behavior. Il dit stock moving 5, on va mettre 3. En fait, c'est 3. Bon, faudra rendre ce pattern un peu moins vénère parce qu'avec le laser, c'est trop chaud.
Ou alors faut diminuer le... la vitesse de rotation encore. Bon, de toute façon, ce pattern va falloir le rendre plus simple. Mais, déjà, on va changer le projectile. Dans démo 01. Je pense qu'on va prendre, le glow spot 3. Un nouveau original préférable. On va l'appeler Medusa. Projectile. Et puis on va lui mettre le script projectile. ITFX, c'est le particle system. Et un petit sphere collider. Ici le centré à 0. Ça aussi c'est mieux. Quand il est pas centré là. D'accord. Non, bon, on va voir. Tessine. Regarde pas ça. Dans le pool. On va mettre... Merde. Ça va être moins dangereux. Hop, et dans les actions... Un petit peu trop petit ça.
voir. C'est pas mal. On va lui faire des projectiles à tête chercheuse aussi. Voir dans les fixes. Limite. On va faire pareil, un Dragon Fireball. Parce que là, ça va être. Medusa Seeker. Et là, ça va être pareil, sauf que je veux que ce soit vert. Paf. Voilà. Hop, et la trail. Ok. Et les Ember, pareil, mais en vert. Voilà. Medusa Seeker. Oh, pardon. Bon, faudra qu'on gère qu'est-ce qui a combien de projectiles à poule, parce que sinon ça va faire beaucoup de projectiles généraux au début pour pas grand chose. Limite pour elle ça va être un gros truc genre. Alors. Ça d'accord. Ah oui, mais c'est le size over lifetime. Hein. Non.
Bon, du coup, même. Voilà. Et du coup, dans les actions. Ben on va rajouter une attaque. Direction MB 1. 90. Ça on s'en fout. C'est 6. Wave number 1. Damage 10. Speed on va laisser 4. Duration 10. Hop. On va tester tout ça. Alors, Finisk en a marre. Ok. Ah, d'ailleurs, le pool, là, on peut en mettre jour 3. Hein. Ça, on sait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ah oui, mais j'ai oublié. Donc ça, c'est Seeker. Magnitude. Alors, on va voir pour les autres Seeker. Magnitude 0. Bizarre ça. Ah oui, non, mais parce que... Ouais, magnitude 0,7. On va tester ça. Bon, la traie, elle est trop petite, par contre. Ah, et ça, par contre... shoot désactivate on touch, oui. Tester magnitude de 1 là. Avec une speed à 8.
Voilà, ça marche plutôt bien. Il faut juste que je change le fixe. Medusa Seeker, pardon. Genre le trail. 0405 0401 plus que ça hein, du coup. Salut Zako, comment ça va? Ah, c'est marrant. On te fait jamais l'autre? Comment ça se passe? Bah alors? Bah tu fais quoi? On est en train de faire les... Enfin cool, du coup toi aussi ça va tranquille. On est en train de faire les patterns là du deuxième boss du jeu. Et bah du coup ça avance plutôt bien. En gros, je sais pas ce que t'avais vu la dernière fois. Mais on avait fait les patterns de corps à corps en gros, même si ça manque de juice et de feedback. Ils sont fonctionnels. Et on a fait un gros laser sur Medusa. Et aussi le. Du coup, 2-3 projectiles. Et le laser, du coup, il nous pétrifie. Ce qui va être bien avec cette attaque, genre qui a tête chercheuse, parce que. Bah globalement, on va pas vouloir être pétrifié, sinon ça va vite nous rattraper. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais en gros on est en train de faire le deuxième boss quoi. Je sais pas si t'avais testé du coup le build sur Itch.io. Si t'as des retours à faire, n'hésite pas. Même si du coup il commence à dater un tout petit peu par rapport à ce qu'on a fait, pardon. Et ouais. Ouais, le dragon, merci, mais le dragon il en avait déjà, mais du coup là... Et ouais, il est trop stylé le laser. Il vient du coup d'un pack d'assets de Polygon, je sais pas si tu connais. Mais c'est assez satisfaisant. Du coup je voulais augmenter la magnitude de l'attraction, enfin la force d'attraction du projectile. Peut-être réduire un petit peu sa vitesse. On va mettre 1.5, vitesse 6, et duration 15, et cooldown 15, voilà, comme ça. Et la question c'est pourquoi... Ah oui, il y a un problème. Ah d'accord. Ok, donc ça c'est 6. Merde. J'ai juste override le truc sans faire attention. Et ça, c'est toujours 5.
Voilà. C'est pour ça que ça faisait que deux attaques sur les trois. Le jeu est bon, mais il y a une attaque que j'arrive pas à esquiver. Il m'est arrivé de passer à travers le mur. Alors ça, c'est possible, mais je crois que ça a dû être réglé, ce truc. Ou alors, faudrait que tu me dises comment t'as fait, mais... Bah nice. Mais ouais, on a... De toute façon, il y a pas mal de trucs qui ont été corrigés depuis. Merde. Aïe. Et voilà, il y a cette attaque en plus. Au secours. L'attaque avec tous ces projectiles, elle est bien, mais je sais pas si c'est bien combiné avec le laser. Le laser, il est trop... il est vachement vénère, en fait. En fait, encore une fois, faut que je diminue la vitesse de rotation. Turn towards. Et du coup, cool, merci d'avoir testé. Et c'est quoi l'attaque que t'arrivais pas à esquiver? Oula. Oula, c'est vénère. Non. Ah oui, tiens, ça me fait rappeler un truc. Je sais pas pour le mur, mais je trouve aussi que l'attaque corps à corps est trop risquée. J'ai fait 42 secondes. Ah, GG. Bah... Alors le trop risqué, ouais, c'est possible. Et 42 secondes, alors je crois... Bah du coup t'es pas... Le record de PIM c'était 38 ou 39 secondes. Mais c'est déjà bien. Moi je mets beaucoup plus de temps que ça de toute façon. C'est l'attaque avec les boules qui montent et qui descendent, mais je suis juste éclaté. Ouais, les trucs avec le... Enfin, en sinus, ouais, je vois. Mais ouais, je comprends. Mais je trouvais ça stylé... Et en vrai, on a juste à mettre des... Bon là par contre on est pétrifié pendant trop longtemps. Le laser est un peu trop vénère. Je vais réduire la durée du laser. Et c'est pareil, les attaques en mêlée. Attends, ça c'est un projectile? Ouais, mais c'est un projectile qui est pas à utiliser. Et d'ailleurs, oui, l'attaque au corps à corps, en fait... Bah du coup, il y a eu une modification depuis le build. Genre maintenant, c'est un système de combo et... Enfin genre, à chaque fois que tu fais que tu enchaînes des attaques, ça fait jusqu'à... Enfin, il y a trois attaques différentes. Et la première fait un peu de dégâts, et en fait, plus t'avances dans le combo, plus ça fait de dégâts. Donc, enfin, faudra que vous testiez, bien sûr. Pour voir ce qui est le meilleur. Parce que le laser... Ouais voilà, c'était ça, le laser 15. Il y a ça, d'accord. Duration, on va mettre 2. Voilà.
Ouais, bah c'est ça. Enfin, c'est comme ça dans plein de jeux en vrai. Mais genre, tu tapes, et tu tapes. Genre, ça fait 1. Bon, là, j'avais pas. Genre, 1, 2. Et je me suis fait pétrifier en pleine attaque, mais. Après, de toute façon, oui, hein, c'est pas mal inspiré de Dark Souls. C'est moi où les projectiles me passent au-dessus des fois. Ça, on veut surtout pas ça. Faudra que je répare aussi le dragon, parce que du coup, son comportement là est. Enfin, il a plus de comportement du coup. Je me fais pas toucher en fait par ce truc. J'ai dû faire une connerie. Effectivement, c'est pas du trigger donc. Ah, et d'ailleurs, je suis pas sûr que c'est la bonne layer. Non, he's ok. Exactement, je suis d'accord. On va mettre des Attack Collider. Attack Collider, bien sûr. Et pareil. Oui, c'est bon, on se fait toucher par les petits trucs. Ouais, le truc de gravité, il y a quand même un problème. Faut que je vois. Que des fois les projectiles enfin j'imagine je sais pas comment ça marche comment c'est censé marcher au niveau de physique parce que c'est la même formule que la gravité mais des fois peut-être quand on tourne trop autour d'eux et qu'on se rapproche et qu'on s'éloigne ils perdent toute leur vitesse en fait il faut. Pour voir. Non mais s'il vous plaît. Bon, ok, c'est bien. Mais là, la magnitude est beaucoup trop forte. Medusa Seeker. Tu vas mettre auto la fonction pour bloquer la cam sur le boss. Ah ouais? Mais en fait, c'est parce que potentiellement, je voulais qu'on puisse en avoir plusieurs. Enfin, genre qu'il y ait d'autres mobs. Donc il faut que tu puisses changer de lock aussi. Donc je sais pas.
Mais sinon, ouais, on pourrait dire que de base, c'est en mode lock. Et que c'est juste si on veut pas, on l'enlève. Et voilà. On verra ça après. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai oublié, si. Pour les stickers, réduire la magnitude. Oui, c'est là. Ouais, à un moment, je voudrais faire ça. Alors, multiclonage, je sais pas, parce que s'il y a beaucoup de boss en même temps... Alors, s'il y a 100 trucs en même temps, déjà, ça va être compliqué. Je sais pas, niveau performance, ce que ça va donner, mais... Mais au moins 2 sur le terrain, ouais, ce serait pas mal. Oula, il y a un petit problème d'animation. Ok. Merde. Je voulais l'éviter pour voir ce que ça faisait, mais... Ah ouais, là c'est bien. Ah, c'est bien. Je pense que je vais mettre une magnitude plus élevée, mais une vitesse plus basse pour cette attaque. J'ai encore speed 4. Et bah je vais remettre magnitude 1.5. Ouais, c'est ok. Bon, forcément, il n'y a pas d'équilibrage sur la vie, tout ça, pour le boss, mais on va régler ça après. Oula, pardon. On va... En vrai, quand tu finiras le jeu, ce serait drôle d'avoir un fight avec tous les boss en même temps pour les ovnis. Pour les ovnis? Ah, pour genre... les aliens. Mais ouais, en vrai, ouais, ça pourrait être marrant. Mais ouais, non, si, c'est possible, en fait. Déjà, déjà, on pourrait tenter de mettre le Médusa et le dragon en même temps, ça serait... Ça pourrait marcher, mais par contre, ça va être vraiment un enfer au niveau des patterns. Genre, ça va se voir que c'est pas fait pour ça. Je vais mettre un temps de pétrification moins élevé, quand même. Parce que c'est quand même assez vénère, même une seconde sur un jeu comme ça. C'est beaucoup. Je pense qu'on va... On va augmenter... genre la portée des attaques de mêlée de méduse et on va mettre des FX pour que ce soit plus clair, genre. Genre... Et peut-être pareil pour le joueur. Voilà, le Tail Collider, là. C'est celle-là. Peut-être un peu trop gros comme ça, mais... vous avez l'idée. Hop.
Ouais, ça sera pas mal. Alors? Ah oui, mais parce que... Au secours. Un petit problème aussi, c'est que les attaques ont toutes la même animation et bruitage. Ouais, ça... Bah ça c'est... C'est pas une question de budget, mais si quand même. C'est parce que ça, je suis. Enfin, on va l'améliorer, hein, ça je suis d'accord. Mais il me semble que sur le dragon, normalement, il y a deux animations qui se font aléatoirement. Et il doit y avoir un ou deux bruits d'attaque, mais ouais, c'est quand même pas beaucoup. Mais là, de toute façon, on va refaire des bruitages après. Hein. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être lundi. Ou je sais pas où après, mais en tout cas, on va faire des nouveaux bruitages pour Médusa. Exactement. Eh bien, je fais ça tout de suite, Yoda. Bien sûr. Je te rembourse tes 0€. Un plaisir. Alors. Bon, du coup, il y a plusieurs choses. Alors je sais que du coup je pars dans tous les sens, et c'est pas ouf, mais il y a un truc avec le script melee weapon que j'ai remarqué. C'est que avant, je sais pas si vous, enfin si vous étiez pas là, ou si vous vous souvenez pas. Ouais bah exactement, c'est parce que c'est toi aussi. On est pareil, bien sûr. Enfin on réfléchit pareil sur à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Genre, on avait mis un nombre de touches maximum pour notre ancien système de mêlée, qui était pas ouf, et du coup on a retiré ça. Mais en fait, il faut remettre le système de touches maximum, parce que là, il y a moyen qu'on se fasse toucher deux fois par une même attaque si on fait... genre, si l'attaque fait un balayage et qu'on fait vite un avant-arrière, on va se prendre deux fois le balayage, et ça c'est pas ouf. Donc, on va faire un... En plus, ça va être... Ça va être tout con. Ça va être un private int touch. On va avoir un unenable touch égale 1. Voilà, ça va être et touch supérieur à 0, touch moins égal 1, et là pareil. Ok. Donc là, ce problème devrait plus se produire, juste voir si... Merde. Putain. Non mais arrêtez. On va mettre plus de cooldown sur les attaques à distance, parce que vraiment là c'est... À la base on voulait que ce soit un boss qui vienne au cap, quoi. Donc je vais mettre 20. 20. Et 20.
Ah, ça m'a pas touché là par contre, ça c'est bizarre. Je me fais pas toucher par le balayage. On s'est fait toucher une fois et ça a suffi, sauf que... Ah oui, mais c'est pas ça qui est un enable, ça c'est tout le temps enable. Non, non. Public in touch, on va le mettre à 1 de base. Du coup, weapon.touch égale 1. Non. Merde, c'était l'autre. On va copier ça. Bon, il y a un problème. Alors dans Medusa Behavior, je vais augmenter un petit peu l'attaque, enfin la distance là. Quels sont les boss que tu penses créer prochainement? Eh bien, je ne sais pas encore. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que justement, j'ai envie que ce soit au moins genre un couple de boss, ou peut-être même trois boss. Mais en fait, on va décider sur le moment. De toute façon, là, le jeu, on l'improvise en stream, hein, donc c'est on va faire globalement, je vais regarder dans les assets que j'ai de Infinity PBR les mobs. Et je vais voir ce qui m'inspire sur le moment, ou ce que vous avez envie, c'est pareil. C'est vraiment de l'impro. Ok, il y a ça. Créer des boss à l'impro, bah c'est un peu ça là, oui. Enfin, pas au niveau de... Les modèles, c'est des modèles qu'on a... Genre dans un pack d'assets. Mais je veux dire en termes de gameplay, ouais. Après, on essaye de rendre tout ça un peu cohérent quand même. Hein, mais... Voilà. Donc oui, on a un autre problème. C'est que le stop moving qui se fait à chaque fois là comme ça, c'est pas ouf.
Bah, c'est ce qu'on fait là, de toute façon. Ok. En fait, l'intérêt à la base, c'est que on fasse des jeux un peu ensemble avec la communauté. C'est juste que bah, pour l'instant, vu qu'on n'est pas beaucoup, même s'il commence un peu à y avoir des habitués, hein, c'est bien. Mais bah forcément, c'est moi qui ai commencé à donner les idées de base et le concept du jeu. Mais bah, peut-être déjà à partir du prochain projet. Je pense après au moins le troisième boss. Putain, il y a encore du délai sur la cam, c'est chaud. Après le développement du troisième boss, on passera sur un autre petit projet. Et là, bah, ça sera... Enfin, si vous avez des idées, on va pouvoir les appliquer complètement. Ouais. Si c'est des trucs réalisables, bien sûr. Évidemment. Je vais revoir vite fait... On va baisser le nombre de FPS sur la cam, histoire de voir si c'est mieux. Ouah, non, il y a trop de délai. Vraiment, je sais pas comment régler ça. Hein. Ça me saoule un peu. C'est pas au niveau de la cam en elle-même, c'est au niveau de Streamlabs. Je regarde, hein. Je suis en train de regarder les paramètres, c'est pour ça que... Ah, et là, c'est mieux. Bon, c'est vraiment aléatoire. J'ai changé un des trucs, un paramètre vidéo, mais je l'ai remis comme c'était un moment avant, mais il y avait déjà du décalage. Donc bon, on va voir. Tu veux faire un boss duo après Medusa, c'est ça? Bah ouais, ou peut-être plus, peut-être 3, peut-être 4, mais en tout cas plusieurs boss, ouais. Genre qu'on a affronté en même temps. Mais je trouve ça cool, enfin du coup, potentiellement le concept bah, d'avoir des patterns de projectiles, mais qui partent de plusieurs points en même temps. Ça pourrait rendre bien. Du coup, on veut mettre des FX. Désolé parce que je pars dans tous les sens et du coup je me perds. Démo 01. On pourrait utiliser ce FX là par exemple pour le balayage. C'est peut-être pas ouf. Enfin, je veux dire, il est stylé, hein, mais. On va le mettre dans les FX. Déjà. Et on va modifier, on va voir. Ça forcément, si je mets plus ça, ça marche pas. Ah, intéressant.
peux pas avoir la tête de l'hémisphère, genre. Alors, si je peux. En vrai, pour le boss du haut ou plus, tu pourrais faire un slime qui se divise de plus en plus, exemple. Ouais, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait qu'on ait un modèle de slime avec des animations. Mais et en vrai, c'est un concept qui peut être pas mal. Après, c'est pas forcément un slime, mais ouais. Je vois le genre. Ça peut être cool. Je vais mettre un. Et oui, on ne sait pas modéliser exactement. On saurait faire, mais genre, je connais les outils, tout ça, mais je suis nul, quoi. Je suis pas un artiste 3D. Bah du coup, oui, certes. Déjà, on est un peu... Je mets 0 à tout. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est 90. 90. Ah. Mettre 500.
Se déteste. Hein. Oui, on peut faire. Non, ça, c'est juste le scale. Voilà, c'est pas ouf ça. Et où l'aide attend, exactement. Bon, c'est pas. Pas encore assez convaincant, mais. Ah oui, je veux pas que ça loupe en fait. Je sais pas ce que c'est censé être la duration là. Ah bah oui, duration 3. Bon, on va voir ce que ça donne. On va mettre le swirl en enfant de. De Médusa, je vais augmenter la taille. Ou même le scale en fait. Ah ouais, mais le scale sur les particules ça va pas marcher, c'est ça. Ah si! Ça dépend juste lesquelles. On va voir comment ça rend. Donc ça va être play on awake, ok. On va mettre un. Faudra qu'on range ça. Hein. Public int fx index. Et du coup là-dedans. Dans le launch pattern. On va faire current boss.
Ah oui, non, c'est juste boss. Boss. Script. Point. Ah. Alors. Je suis désolé, on va couper la musique. Ça va, parce que c'est de la musique de Crypt of the Necrodancer, donc c'est une musique de jeu, mais j'ai pas envie qu'on se fasse strike. Donc il faut des musiques sur des playlists que je contrôle. On va mettre des musiques de Zelda, ça fait longtemps. Voilà, ça va être chill comme ça. Du coup, on va mettre... je sais pas comment ça marche, mais si c'est un robot, si c'est un robot qui détecte les trucs, enfin, il va détecter les musiques dans tous les cas, peu importe le nombre de vues. Autant quand c'est des bans à propos de termes dits ou de trucs comme ça, là il faut que ce soit des gens qui le voient. Mais ce genre de truc, c'est détecté easy. Mais bon, peut-être que sur les chaînes qui ont pas de viewers, ils font pas attention. Enfin, peut-être qu'ils font pas passer les bots sur toutes les chaînes. Je sais pas. Donc, boss script. On va mettre fx list. Ouais. Et current pattern. Fx index. Alors pourquoi je l'ai fait en snake case là? C'est une bonne question. On va le changer. Link. Heureux. Qui vient dire bonjour sur le stream toujours? Ouais, regrette, hein. Tu tapes pas le micro, c'est ok. Ok. Donc fx list dans boss, tu connais pas, c'est normal. Comment ça, attaque clip, c'est plus utilisé. Ah bah oui, forcément. Du coup. En fait, ça va être une liste de game object. Enfin, un tableau, du coup, là, dans ce cas-là. Que j'appelais liste, bon, c'est pas grave. FX list. Il faut que ce soit en public, c'est mieux. Non, 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 non. Bah voilà. Se frotte au micro. Oui, bah c'est sûr que si je ne fais rien. Ça ne servait à rien, on a dit. Et ça ne servait à rien, on a dit. Ou alors je suis un connard. Et... Moi qui ai réussi à faire un coup de corps à corps. Nice. J'ai joué ça. Ok. Oui, je suis un connard en fait. Si je ne fais rien, si je ne mets rien, il va rien se passer.
Donc ça, d'accord. Sauf que non, je suis un con. Voilà. Et faut pas que ça soit activé tout le temps, en fait. Juste. If. Pattern.fxindex différent de moins 1. Ok, du coup faut le mettre à moins 1 partout. Sauf sur le balayage. Une petite croix à chaque fois? À chaque fois que quoi? Pas capté, sorry. Ah, à chaque fois que je dis que je suis un connard, c'est ça. Quel enfer. Non mais il faut s'habituer, hein. C'est un réflexe. Ça. Je comprends. Qu'est-ce que je voulais? Oui, si, voilà. Pattern. T'es patternisé, bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Du coup, moins 1. Et juste le swirl. Je crois que c'est celle-là. Faut que je mette des vrais noms. Aïe. Bon, du coup. En fait, c'est nul ce que je viens de faire. Désolé, Link, mais si tu tapes dans le micro à chaque fois, tu vas bouger. Voilà. On va faire une attaque. Enfin, des fonctions pareilles, en fait, là. Public void play fx fx index et du coup en fait ça va être ça. Hop, et la FX list. C'est une liste de game objects, c'est une liste de particle system. Et du coup. Oui, non, par contre. FX index. Donc là. Ça dégage. Et dans pattern. Ah, on oublie. Bon, du coup, on voit que c'est de l'impro. Hop. Et donc, dans l'animation. Event
Et il va s'appeler... Oh bah non, mais c'est... je suis un con. Bon, du coup, ça va être du test, hein. Vas-y, fais le swirl. Ah oui, forcément, j'ai oublié de refaire le lien. Tech mismatch, évidemment. Hop, et du coup, on l'active maintenant. Et du coup, pas Leon Awake. Voilà. Aïe. Vas-y, fais le balayage. Oh, sauf que là, ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché et c'est pas ouf. Dommage qu'on ait pas le particle système qui se fasse à la pile au moment où on veut, quoi. À la limite, ça c'est... Boah. Il y a un problème avec la rotation. Mais c'est presque ça. En termes de timing, c'est presque ça en tout cas. Voilà. Ah, je suis con. Merde. Rien à voir. C'est j'ai oublié. Faut qu'on j'aille faire des courses. Si je mets juste un là. Ce qui se passe. Bah oui, mais forcément.
Bon. Problème avec cette particule. Bon. Déjà pour que ça tourne dans l'autre sens. C'est un peu mieux. Ah là, c'est bien. Oui. Ah oui, d'ailleurs, par contre... il faut que cette attaque-là... elle soit dans un autre... dans une autre liste. On va l'appeler Stop Moving List. Et No Stop Moving List. Stop 1 milliard de... Ah non, j'ai rien dit. Ok. Là c'est stop moving list. Je peux distance à stack stop moving. Et là... no. Stop moving. Sauf que du coup on va inverser... Non j'ai rien dit, on va inverser l'ordre derrière. Parce que du coup c'était absurde que le... ah oui par contre si on... C'était absurde que le tir de boulette tête chercheuse immobilise le boss aussi longtemps. Contrairement au laser et au... Et au pattern où il tire plein de boules. Alors... Petite erreur ? Ah, pardon, j'ai pas initialisé les listes. Stop moving list égale new.
Spatter. Ok. Alors bon, c'est un peu absurde par contre que le tir ait la même vitesse que le boss. On va augmenter la vitesse du tir. Ça va aller plus vite. Faut vraiment que je range un peu les fichiers parce que... On va mettre speed 5. Du coup, elle fera toujours cette attaque en priorité. Hein. Ouais, mais c'est un peu beaucoup là, la speed 5. Mais c'est bien, ça oblige à bouger. C'est encore quasiment la même vitesse hein, entre le projectile et le boss. Bon, par contre, ce pattern là des projectiles, il y en a trop. Hein. On va réduire le nombre de vagues. On va mettre 5. C'est déjà beaucoup, même 5. Hein. Oh, c'est marrant, je fais tellement les attaques en mêlée que j'en oublie que j'ai une attaque à distance. Je vais faire un truc. Le laser, c'est un petit peu chiant qu'il reste sur le joueur sans rien faire en fait. Je voulais pas trop lui mettre de dégâts sur la durée. Mais on va peut-être mettre cette option au moins. Et genre en mettre un ou deux. Enfin mettre des dégâts sur la durée mais qui sont moindres, juste pour pas qu'on ait l'impression que le laser est bloqué et qu'il se passe rien. Quoi. Parce que ça fait très bizarre en termes de feedback. Du coup. On va rajouter. On va rajouter un float. Non, ça va être un int plutôt, puisque les dégâts c'est toujours des int. Damage per tick. Et là, on va faire un float. Tick interval. Si j'ai trop de...
On va mettre ça là. Oh non. Bon, c'est pas grave. Float damage. Per. Tick. Et tick interval. Qu'est-ce que j'ai? Ah merde. J'ai dû effacer un truc sans faire exprès, voilà. 10 points. Tick interval égale tick interval. 10 points damage per tick égale damage per tick. Ok, là il y a des erreurs forcément. Damage per tick float tick interval. Zéro, zéro. Et là, du coup, ça va être dans le pattern. Ça va être current pattern damage per tick et current pattern point tick interval. Ok, et du coup dans le pattern. Int damage per tick et tick interval. Ok. Et du coup dans le projectile, que là pour l'instant c'est utilisé, enfin c'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc else. On va faire un. Une liste de collider entered colliders entered colliders point add du coup other. Et là, pareil. Touche pas le micro, Inca. Donc là, c'est OK. Et du coup... dans l'update, alors if si pas ça, puisque de toute façon, si on doit deactivate and touch, ça n'arrivera pas. For each collider.
Mounted Collider. Du coup, ça va être pareil. Ça va être le même truc de team machin. Else. C'est ennemi. En fait, ça c'est de la merde. On va pas faire un. On va faire une liste de player controller et une liste de. Une liste de boss. Peut-être qu'à un moment on pourra avoir plusieurs joueurs. D'ailleurs, c'est vrai que. Je vous le dis, vous savez pas forcément. Mais aussi, dans les futurs jeux, on pourra essayer de faire des jeux multijoueurs auxquels on pourra jouer ensemble. Parce que je connais un petit peu. J'ai fait quelques projets de jeux en ligne. Donc si ça vous intéresse, il y a moyen aussi. Entered Bosses. Du coup là c'est. Entered Player. C'est entered bosses. Pas pareil, sauf que. Et là, c'est boss. On va faire entered player en premier. Ça nous évite de refaire le get component à chaque fois en fait. C'est mieux. En termes d'outils. Du coup on fait un autre for each, mais boss. Entered bosses. Boss. Du coup, c'est pas damage. C'est damage per tick. Ça en est ok. Et c'est. On fait un private. Float last tick hit égale 0. Et time.time. Moins. Tick interval. Interval. Supérieur à last ticket.
Hop, et juste bah, Elastic Hit égale time.time. Ok. On va voir. C'est là. Damage per tick, on va mettre 1. Tick interval. Ah merde. Dans pattern. Un float ça. Bon, du coup, je vais bientôt arrêter aussi parce qu'il va falloir que j'aille faire des courses et sinon ça va fermer. De toute façon, on va continuer lundi. Hop, allez. Granular reference exception. Pourquoi? Parce que j'ai encore oublié initialiser les. Liste. Entered boss is égale new list boss et entered player égale new. Hop, ça c'est ok et ça il faut que je le refactor parce que ça me trigger à chaque fois un S. Voilà. Il fait le laser. Là. Ah voilà. Ça c'est pas mal. Bon, faudra mettre un FX pour que ce soit plus clair sur. Sur l'attaque au corps à corps, il faudra un peu régler le FX du balayage, mais en vrai, on commence à être pas mal. Hein. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Ça fait 3h40 de live, c'est pas mal. Plus les 2h de ce matin, on est pas mal. Bah du coup, on va se retrouver vite fait sur la scène de talk. Bah du coup je vais vous faire le petit speech. Déjà on se retrouve lundi 10h. Pas demain parce que demain c'est... on est bien un samedi. Hein. Ouais demain c'est dimanche et dimanche c'est le jour où je stream pas généralement. Alors ouais on se retrouve lundi 10h pour pareil continuer le développement. Et à 14h on va jouer. Je pense qu'on va continuer Sekiro. Et après on va alterner tout ça. Je referai un planning... pour que si vous avez envie de savoir quand sont les trucs que vous voulez. Du coup, la semaine prochaine, en termes de jeu, mais pas de développement de jeu où on va jouer, on va continuer Sekiro, on va s'entraîner encore sur Trackmania, pour la Trackmania Cup, et on va découvrir un nouveau jeu qui s'appelle... Enfin, qui est déjà sorti, mais auquel on n'a pas encore joué, qui s'appelle Lost in Random, parce qu'il est sorti récemment sur le Game Pass, donc on va en profiter. Et voilà. Si vous êtes nouveau et que vous connaissez pas la chaîne, tout ça, vous pouvez suivre sur Twitch. En plus, ça aide un peu la chaîne. Comme ça, on débloquera des trucs plus tard, ça va être cool. Vous pouvez aller sur follow le Twitter, comme ça vous aurez bien les pubs des lives. Il y a le Discord que vous pouvez rejoindre, il y a des gens cool dessus, c'est sympa. Et il y a la chaîne YouTube, mais c'est juste pour poster les vidéos, les VOD de dev pour pas les perdre. Et en plus, je suis en retard. Faut que je mette, j'en ai au moins 5 à mettre là. Et sinon, voilà. Vous pouvez tester le jeu encore une fois sur itch.io si vous connaissez pas. Et voilà. Si jamais d'ailleurs, la semaine prochaine, on va continuer sur les mêmes horaires, mais dans 2 semaines. Je vais peut-être changer d'horaire, c'est peut-être moi à savoir
Mais on va peut-être plutôt tenter de streamer un peu plus le soir. Parce que je vais devoir. Enfin, je vais avoir un contrat bientôt. Donc je vais. De toute façon, je vais arranger mes horaires. Peut-être que je travaillerai pour le contrat plus le soir et qu'on va garder les horaires là. Mais on verra, je vous tiendrai au courant. Du coup, voilà. Je vais m'arrêter. Je vous dis des bisous. Bonne fin de journée. Bon dimanche. À lundi. Tout ça. Ciao.